Salut, salut à vous tous. Bonne arrivée. Je commence à 14h09. Je devais commencer à 14h00. Je commence à 14h09 parce que j'ai pas pris le temps de réunir toutes mes preuves. Mais il y a quelques preuves quand même que j'ai pu attraper ça et là vite fait. On va parler de ça avec ça et puis ensuite on va avancer. Et pour dans l'acte 4 de ce que je veux faire, nous allons rentrer dans les détails. Nous allons rentrer dans d'autres détails avec d'autres preuves. Comme ça, vous serez au même niveau de l'information que tout le monde. Il faut partager. Merci de mettre les cœurs. Merci à vous de mettre les cœurs. Merci de partager. Soyez salués, Semo. Sois salué, Big Up à toi. Nkei Célestine Nda Sekou. Big up à toi, bonne arrivée. Soyez tous salués. Autant que vous êtes, soyez tous salués. Comme je disais, j'allais utiliser ma tablette. Mais vous savez, je suis actuellement sur le coup d'une restriction qui ne dit pas son nom. Regardez. Regardez ce qui se passe. Je suis arrivé à 30. Je n'avance plus. Max Tebil Lago, big up à toi. Bonne arrivée. Arrivé à 30, je suis bloqué. Et je redescends à 28. Donc, j'estime que ils ont repris, voilà, ce qu'ils avaient fait à un moment donné là. Ils ont repris ça. Ils ont repris à réduire, hein. Ceux qui viennent me regarder, ils ont décidé de diminuer ça. Voilà. Donc, ils ont diminué mon audience. Ça ne monte plus comme avant. Vous voyez, il y a eu quelques jours où ils avaient lâché un peu. Donc, je montais dans les 1000 là-bas et tout. 1000 personnes en direct, 1500 personnes en direct. Mais là, ils ont repris. Ils ont repris. Depuis hier, j'ai essayé sur mon téléphone. Je n'ai même pas atteint 50 personnes. Et là, aujourd'hui, ça a commencé, un coup on a atteint 30 et ça commence à balancer maintenant. S'ils ont trop laissé, ça va peut-être atteindre 50, mais je ne sais pas. Donc, vous voyez que je suis dans leur viseur. Vous voyez qu'ils ont décidé, hein, de réduire encore une fois mon audience. Mais je vais parler. Je vais parler, je ne vais pas leur donner raison. Je vais parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça, personne ne va m'empêcher de parler de ça. Personne ne va m'empêcher de parler de ça, même s'ils veulent que. Même s'ils veulent, n'ont qu'à laisser deux personnes seulement me regarder. Mais les deux personnes, là, je vais leur expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je leur dirai ce qui s'est passé dans notre pays. Je leur dirai pourquoi il ne faut pas baisser les bras et que nous devons entendre l'autre camp. Le camp de Alassane Dramane Ouattara. Dans ce camp où l'acteur principal était Soro Kibafori Diom. Voilà. Donc, même si vous voulez laisser deux personnes seulement, mais moi je vais parler. Voilà. Donc, soyez salués. Philemon Conan, big up à toi. Hugues Balou, big up à toi. Anake, bonne arrivée. La SGA de la section Awadom-Mello du 93 Centre. J'ai cru que sur ma tablette ça allait changer, mais ils n'ont pas changé. C'est resté pareil comme sur mon téléphone. En fait, ils m'ont restreint. Ils m'ont restreint. Ils veulent pas que j'avance. Ils veulent plus que j'atteigne plus de personnes. Bon, est-ce que ça va m'empêcher de parler? Si vous êtes d'accord que je parle, partagez, pompez les cœurs et puis encouragez. Parce que quand ils diminuent comme ça ton audience, ça devient un peu compliqué. Voilà, ça fait que l'inspiration même ne vient pas comme il faut. Voilà. L'inspiration ne vient pas comme il faut. Donc, ils savent que quand ils font ça, là, ça bloque un peu. Même quand on veut donner des vraies informations, on est obligé de ne pas tout donner parce que toutes les personnes qu'on attendait ne sont pas là. Voilà. Et je pense que c'est Soro Kibafori Diom, depuis là où il est, qui est en train de demander, qui est en train de signaler, mais direct sur lui. Parce que. Il ne veut pas que je sorte la vérité sur ce qui s'est passé.
On va continuer sans état d'âme. Je suis le général Modibo Goïta Djédié, Dobo Blek Bagbo, Sankara, Cheikh Na, la gâchette Cheikh Anta Diop. Soyez tous salués, bonne arrivée à vous. Merci de me suivre, merci de partager. Serge Élisée Kouadio, sois salué. Akissi Jeanne, Madou, big up à toi. Bonne arrivée à vous tous. On commence. Voilà. Donc j'ai mis un titre. Ces pays, si ce n'est pas Gbagbo, c'est qui? Acte 3. Ces pays, si ce n'est pas Gbagbo, c'est qui? Alors, d'autres personnes disent que c'est moi qui remets sur la table, hein, Soro Kibafori Guillaume. Et qu'il faut que je laisse Soro en paix pour que nous puissions parler d'autres choses. Toblé Saint, Thomas, sois salué. Sois salué. T'as pas besoin d'écrire ça 1000 fois. Je vois ton commentaire. Toblé Saint Thomas. Voilà. Merci pour les cœurs. Donc, ce n'est pas moi qui veux exposer, ou bien qui veux remuer le couteau dans la plaie, ou bien qui veux ramener l'histoire Soro sur la table. Moi, mon chef, mon leader est acculé. Mon leader est emmerdé. Mon leader est persécuté. Donc, je ne peux pas laisser les rebelles tranquilles. Je sais que celui qui persécute mon leader, là, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Comment faire pour que Alassane Draman Ouattara tombe? C'est tout ce que je suis en train de faire. Les gens sont là, ils sont en train de bavarder, dire non, tu devais pas, tu devais, faut attendre, c'est pas le moment, c'est le moment, mettons-nous ensemble. C'est pas ça, c'est vous qui voyez. Comment je vais faire pour que mon leader, mon chef, mon patron puisse sortir d'entre les griffes de son persécuteur? C'est ce que je suis en train de faire. Et moi, ma part que je joue là, cette manière de faire là, je sais que c'est la meilleure et c'est la bonne. C'est pour cela que je suis parti à la CPI. Pour aller dire aux gens de la CPI que le dossier Gbagbo est fermé. Ce n'est pas Gbagbo qui a tué. Ce n'est pas Gbagbo qui est à la base des crimes contre l'humanité. Le génocide, ouais, ce n'est pas Gbagbo. C'est qui? Voici pourquoi je suis parti à la CPI. Voici pourquoi, après la CPI, je continue sur les réseaux sociaux pour demander que justice soit rendue, justice soit faite. Parce qu'il y a pour toutes les victimes, pour toutes les victimes en Côte d'Ivoire. Et cette justice, avant qu'elle soit faite, il faut que la vérité soit dite. Mais cette vérité-là, quand on l'a dit, ça énerve les gens. J'ai dit, il y a un homme dans la rébellion qui travaillait pour Alassane Draman Ouattara. Mais lui-même, de sa bouche, il n'a jamais dit que Alassane m'a dit, Draman m'a dit, il m'a envoyé ceci. Il n'a jamais dit ça, sauf quand il n'était plus en parfaite harmonie avec Draman Ouattara et qu'il avait fui la Côte d'Ivoire. C'est à partir de ce moment, quand il a perdu son petit poste, son petit poste qu'il demandait de président de l'Assemblée nationale, c'est quand il a perdu ça et qu'on lui a demandé de démissionner, qu'il a fui pour rentrer en Europe. C'est à partir de l'Europe maintenant qu'il a commencé à dénoncer son chef. C'est à partir de là qu'il a commencé à dénoncer son chef. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est pas parce qu'il est en exil que moi, je vais venir hein, le protéger, Willy Joe. C'est pas lui, il est en exil parce qu'on l'a condamné à 20 ans. J'ai dit non, il est dans le même sac que le président Laurent Gbagbo. Il est dans le même problème que nous. On n'a qu'à éviter de parler de ça. On n'a qu'à chercher à sauver la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à chercher à enlever Alassane Draman Ouattara. On n'a qu'à faire en sorte que Alassane Draman Ouattara tombe. Mettons-nous ensemble. Moi, je ne suis pas dans ça. Ça vous fait mal, hein, mais moi, je ne suis pas dedans. Moi, ma démarche, là, voilà ça. Et cette démarche, pour étayer mes dires, je vais appuyer ça par certaines vidéos, mais aujourd'hui je vais vous présenter une ou deux vidéos pour que vous puissiez comprendre. Parce que je les vois en train de montrer la vidéo de comment on avait, Mamadou Koulibaly. Ils montrent la vidéo de Mamadou Koulibaly et dans cette vidéo, ils disent que Mamadou Koulibaly a dit que ceux qui accusent Soro sont des hypocrites et que Soro n'était pas le chef, hein, de toute cette rébellion, Soro Kibafori Guillaume. Mais c'est Mamadou Koulibaly qui l'a dit. Ça, c'est Mamadou Koulibaly. Ah, aujourd'hui, Mamadou Koulibaly est devenu une référence.
C'est-à-dire, c'est lui, vous utilisez maintenant ses vidéos pour pouvoir sauver votre mentor. Mais moi, je vais vous prouver le contraire. Je vais vous prouver que je parle de Soro Kibafori Diom parce que Soro Kibafori Diom lui-même, pendant la rébellion, il se tapait la poitrine. Lui-même, c'est lui, après la rébellion même, qui continuait de dire, c'est moi le patron, c'est moi le chef à tout faire. À aucun moment, dans aucune vidéo, hormis quand il a fui la Côte d'Ivoire, mais dans aucune vidéo, quand il était en Côte d'Ivoire, il n'a dit que c'est Alassane Draman Ouattara qui l'a envoyé pour faire quoi que ce soit. Dans aucune vidéo. Toutes les vidéos dans lesquelles Soro Kibafori Diom se trouve, Soro Kibafori Diom dit c'est lui. J'ai dit ceci, j'ai fait cela, j'ai envoyé ici, j'ai appelé tant, j'ai appelé tel chef de guerre, j'ai dit à tel chef de guerre de faire ceci, j'ai envoyé tel chef de guerre de faire cela, moi-même je me suis déplacé avec tel chef de guerre. Ça, c'est Soro lui-même qui affirme, c'est lui qui confirme qu'il était l'homme à tout faire. Et il ne dit jamais le nom de Dramane Ouattara. Pourquoi vous voulez que moi je saute celui qui se mettait devant, en avant, pour aller chercher Dramane Ouattara derrière? Mais quand j'appelle Soro Kibafori Diom à la barre, tout le monde sait que c'est Alassane Draman Ouattara que je vise. Tout le monde sait que c'est Alassane Draman Ouattara qui est visé à travers mon interpellation de Soro Kibafori Diom à la barre. Vous comprenez? Donc, que vous me reprochiez ça, que vous ne me reprochiez pas ça, que vous dites ceci ou cela, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai ma démarche et personne, je répète encore, personne parmi vous ne va venir me dire comment je dois démarcher pour pouvoir innocenter ou du moins pour pouvoir prouver que mon chef a été acquitté et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est coupable de tous ces crimes en Côte d'Ivoire. Personne ne va me dissuader à continuer ce combat-là comme ça. C'est pour cela que j'ai pris juste un élément. Ils ont parlé de la mort d'Ibrahim Koulibaly. Ils ont dit qu'Ibrahim Koulibaly aurait été tué par Soro Kibafori Diom. Ils ont porté plainte pour cela. Il y a même une association des victimes qui se sont mis ensemble, qui s'est mis avec un groupe et ils ont décidé de porter plainte contre Soro Kibafori Diom en France ici. Cette association est dirigée par un certain Doumbia Kader. Vous avez déjà sûrement entendu ce nom. Pour ceux qui suivent l'actualité, hein, c'était Doumbia Kader. Voilà, Doumbia Kader. Mais je vais y revenir. Je vais vous montrer un élément qui va vous rappeler les dires de Soro Kibafori Diom et dans ce qu'il disait, il va s'agir de la mort de Sam Boukari. Vous avez déjà entendu ce nom. Sam Boukari, l'homme aux manches courtes et aux manches longues. Pour ceux qui ne savent pas, je vais encore plus dans les détails. Sam Boukari est un chef rebelle sierra-léonais qui s'est installé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, au niveau de Danané là-bas, et qui avait sa manière hein, comment on appelle, de martyriser les populations ivoiriennes et même sierra-léonaises. Souvent, il te disait manche longue, c'est-à-dire quand il te dit manche longue, ça veut dire qu'il va te couper la main, juste la main. Quand il te dit manche courte, il va te couper tout le bras. Est-ce que vous comprenez? Alors, Sam Boukari, ce mercenaire, ce rebelle endurci qui a été tué, hein, ce rebelle endurci avait son système que tout le monde connaissait en Côte d'Ivoire. Il s'appelait l'homme aux manches longues et aux manches courtes. Il demandait, quand il attrapait ses victimes, il leur demandait s'il fallait leur couper la main ou couper le bras. Donc, c'était un choix. Certains choisissaient le bras. D'autres choisissaient la main et il coupait avec sa machette. Et il coupait avec sa machette, Sam Boukari. Mais Sam Boukari a été tué. Et Soro Kibafori Diom revendique la mort de Sam Boukari dans une vidéo que je vais vous faire écouter. Je ne sais pas si je vais vous montrer l'image, mais je vais vous faire écouter quand même. Vous allez attendre sa voix et vous saurez que je ne suis pas en train d'affabuler. Comment échapper à la chaleur On si vous va n'avez pas de écouter. climatiseur? Cela prend seulement 5 minutes. Mais non. Attendez. Voilà. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour dire que
Ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Sam Boukari qui était dans l'ouest. Écoutez, hein. Donc, le département américain, vous dites, on n'a qu'à appeler Alassane Draman Ouattara à la barre. On n'a qu'à dire c'est Alassane Draman Ouattara, parce que c'est lui qui était le chef de Soro Kibafuri Diom. Mais quand Soro Kibafuri Diom s'exprime ici, il dit le département américain l'a appelé lui Soro. Ils n'ont pas appelé Alassane Draman Ouattara. Département américain. Ils n'ont pas appelé Alassane Draman Ouattara. Il n'a pas dit. Ils ont appelé Alassane Draman Ouattara et puis Alassane Draman Ouattara m'a appelé moi Soro. Il dit le département américain l'a appelé lui Soro. Écoutez bien. Écoutez très bien. Donc je reprends même. Voilà. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour dire que ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Sam Boukari qui était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'eux n'étaient pas d'accord parce qu'ils recherchaient ce monsieur. Et que si nous, on ne se dissociait pas de ça, les États-Unis allaient se mettre contre le MPCI. À l'époque, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire aux gens. Et c'est vrai que les Libériens étaient rentrés dans l'Ouest et ils avaient pris une partie du territoire de Côte d'Ivoire. Partagez, mettez des cœurs. C'était la loi là-bas. J'ai décidé qu'il fallait que nous, on pousse hors de nos frontières les miliciens libériens qui étaient venus et qui avaient annexé. Voilà. J'ai décidé. Il n'a pas dit on a décidé. Il n'a pas dit on a décidé. Il dit j'ai décidé. Non, arrêtez vos plaisanteries là. Hey, Ben Nguessan. Ben Nguessan. Arrêtez vos plaisanteries. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Hein. Il s'agit de morts d'hommes. Il s'agit des Ivoiriens qui ont été massacrés. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de coupables. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vos plaisanteries, depuis vos salons ou bien vos chambres là, je ne veux pas de ça ici. Hein. L'idiot qui va venir écrire n'importe quoi ici, je vais l'emmener aux cieux. Je vais l'expédier auprès du Père. Je vais l'expédier auprès du Père. Donc toi, le Ben Nguessan là, ouvre tes youkouli, il faut nettoyer dans tes oreilles et puis écoute bien ce que je dis. Ouvre bien tes youkouli et puis écoute bien ce que je dis. Kono, il était secrétaire général, donc on peut l'appeler. Mais c'est vous qui dites que c'est pas lui. C'est vous les moutons là qui disent que c'est Alassane Draman Ouattara. Pourquoi on n'appelle pas Alassane Draman Ouattara et puis on appelle le secrétaire général? On parle du département d'État américain. On parle du département d'État américain qui se permet d'appeler un secrétaire d'un mouvement de rebelles MPCI. Pourquoi ils n'appellent pas Alassane Draman Ouattara qui a travaillé à FMI, au Fonds monétaire? Pourquoi ils ne l'ont pas appelé lui? Et puis c'est Soro Kibafuri Diom qu'on appelle, que le département d'État américain appelle. Et puis toi tu viens me raconter ta merde de, comment on appelle, il était simple, comment on appelle? Il était le secrétaire général, donc c'est normal qu'on l'appelle. Vos idioties là, je ne veux pas voir ça ici. Ça, je te laisse pour le moment, mais si tu fous, tu écris encore un commentaire de travers, je t'envoie aux cieux. Il t'expédie. On va l'écouter, Soro Kibafo. Il dit, j'ai décidé. Il n'a pas dit, on m'a aidé à décider ou bien on m'a dit de décider. Il faut que ça soit clair dans les oreilles des gens. Parce que quand moi je parle, je sais comment je parle. Et tous ceux qui sont en train de chercher à justifier le crime de Soro, en collant ça à quelqu'un d'autre là. Moi je dis, c'est à Soro de nous dire qui l'a envoyé. C'est tout ce qu'il dit. S'il a décidé de couvrir Alassane Draman Ouattara, qu'il assume. Qu'il assume. Voilà, qu'il assume. Moi je ne suis pas émotif. Je ne suis pas émotif, Ben Nguessan. Je n'ai rien de. Je suis en train de te dire qu'il y a eu des morts. Donc ce n'est pas de la plaisanterie. Donc arrêtez vos sottises, vos conneries là. Arrêtez ça. C'est de l'idiotie de venir raconter sa mère pour dire comme il était secrétaire général. C'est de l'idiotie. Parce que là,
Moi, je parle de Soro et il y en a qui m'interpellent pour dire de parler d'Alassane Draman Ouattara. C'est pour ça que je suis en train de montrer aux gens que voici pourquoi Soro doit répondre. Allez, on continue. Voilà comment j'ai appelé l'Océanie Fofana pour l'envoyer à l'Ouest. Ensuite. L'Océanie Fofana à l'Ouest. L'Océanie Fofana. Voilà comment j'ai décidé d'envoyer l'Océanie Fofana à l'Ouest. Mais ce l'Océanie Fofana là. L'Océanie Fofana là. C'est pas lui qui a tué les Ouais. Avec, comment on appelle, l'apport, l'aide de Amadou Oumy. Ce n'est pas lui qui est allé à l'ouest et puis les Wobé ont été génocidés. Ce n'est pas le même Los là dont il parle. Donc il connaît l'Océanie. Donc pourquoi les Wé réclament justice et puis Soro ne vient pas dire j'ai envoyé l'Océanie Fofana à l'ouest dans votre zone là-bas, mais il ne sait pas ce qu'il a fait ou bien c'est à lui maintenant. Mais c'est à Soro de nous dire. Comment il a envoyé l'Océanie? Parce que eux, ils envoient les gens là. Les gens, eux, ils ne prennent, ils savent pas. C'est eux-mêmes qui s'envoient après. Et qui font ce qu'ils ont à faire. On va écouter. Après l'Océanie, là, je vais parler de lui. Parce que l'Océanie Fofana, sa soeur est la femme de ce Doumbia Kader. Ce Kader Doumbia là. Sa femme s'appelle, comment on appelle? Mariama Fofana. Voilà, aujourd'hui elle va attendre son nom, son cœur va se couper. Oui. Mariama Fofana, pareil. Toute votre rébellion vous avez faite là. C'est en train de. Tout va ressortir de la terre. C'est le cassement des dalles. Tout va ressortir. Vos noms vont sortir. Vous qui avez de près ou de loin participé à la rébellion, un peu, vos noms vont sortir. Donc cette Mariama Fofana, qui est la sœur de l'Océanie Fofana, qui allait. Comment on appelle? Qui a comment on appelle, ouvert magasin à Nantes là. Voilà. Quand je vous disais, ils prennent l'argent du pays. Ils ont volé, l'argent pillé, l'argent du sang des innocents de Côte d'Ivoire. Ils prennent ça pour ouvrir des magasins en France ici. En Suisse. Ils ouvrent des magasins un peu partout en Allemagne. Des magasins exotiques. Ou même des magasins de mèches. Ou de coiffure, salon de coiffure. Et autres là. Vous me dites oui, pourquoi tu es en train de dire des choses comme ça? Est-ce que c'est vérifié? La Mariama Fofana, là, elle a ouvert un magasin. La Mariama Fofana, qui est femme de Kader Doumbouya, là. Hein? Lui qui est en train de poursuivre Soro Kibafori Diom aujourd'hui en France, ici, là. La Mariama Fofana, elle a ouvert un magasin à Nantes. Ce n'est pas à Paris, hein? Elle a ouvert ça à Nantes. On est au courant de ça. Vous comprenez? Mais c'est elle! La sœur de l'Océanie Fofana, Mariama Fofana, qui cuisinait pour Ibrahim Koulibaly quand il venait en France ici. Souvenez-vous, pendant la rébellion, quand Ibé était en France ici, là, celle qui cuisinait pour lui, c'est Mariama Fofana. Pourtant, comment elle s'appelle? Ibrahim Koulibaly a sa femme, Kadi Keïta. Il a sa femme, Kadi Keïta. Mais celle-là, Mariama Fofana, elle cuisinait pour lui. Mais Ibrahim Koulibaly, comme ses proches, comme ses intimes, hein, certaines personnes l'avaient surnommé le général Coursibor. Général Coursibor, ça veut dire quoi? Ça veut dire général qui enlève les caleçons. Il allumait les femmes là, autour de lui. Voilà, même le groupe des Mariama Fofana là, elle cuisinait pour lui, mais voilà. Les gens, dans les on-dit, disent que le IB a touché, il a fini avec ça. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous donner aujourd'hui, c'est ce que Soro Kibafori Diom, quand lui-même se taguait, se tapait la poitrine pour dire c'est moi là, il faut qu'il assume aujourd'hui, sans faux fuyant. Voilà ce que je dis. Donc, pourquoi quelqu'un va me dire non, ce que tu es en train de dire là, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Non, allons-y. J'ai demandé à Chérif d'aller à l'ouest pour combattre les Libériens pour qu'ils sortent de nos frontières. Voilà. Il est parti, ils sont tous vivants. Vous pouvez leur poser la question. Chérif est resté là-bas et m'a appelé, il m'a dit, Guillaume, c'est dur sur nous,
Sam Boukari est en train de désarmer nos éléments et les tuer. Je n'ai pas de munitions, je n'ai pas de réserve. Je dis, bon, ok, j'arrive. J'ai pris des munitions et des réserves avec Vecho, qui était mon chef d'état-major particulier. On a fait la route au Djéné tout bas pour arriver à Mans. Voilà, on applaudit. Quand je suis arrivé à Mans. On applaudit. J'ai pris Kloubali Ousmane Ben Laden, qui est préfet aujourd'hui de San Pedro. Voilà. On a fait la route, on partait pour soutenir Chérif Ousmane. Quand on arrive à Danané, on nous dit que Sam Boukari est là, il avait Félix Do, de son vrai nom Ndri Sinclair. Quand je suis rentré, ça devrait être vers les 22h, 23h, dans le salon de Sam Boukari, je les ai trouvés, ils étaient en train de boire, je me suis assis. Et je voulais négocier à Sam Boukari pour que il se retire. Donc on parlait en anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie ce jour-là. Bon. C'est un Guinéen qui me permet de dire son nom aujourd'hui. Voilà. Je sais que ça vous intéresse qu'on explique, mais je ne suis pas venu ici pour vous parler de la mort de Sam Boukari. Je veux, à travers cette vidéo que j'ai mise, je vous ai fait écouter et voir que vous tirez dedans qu'à aucun moment, même pour aller repousser des soi-disant libériens qui avaient infiltré Danané, qui étaient rentrés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à travers Sam Boukari, je voulais vous montrer que Soro n'a pas dit que c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné l'ordre d'aller. Mais bien au contraire, il dit que je. C'est lui, de lui qui parle. Domi Amou, Domimi, sois salué. C'est lui, il se tague, lui, d'être celui-là qui donnait des ordres à Chérif Ousmane d'aller là-bas, à Ben Laden, qui était amant, qui est devenu préfet. Hein, tous ces rebelles-là, c'est lui. Je ne vais pas m'éterniser sur ça. Je préfère enlever ça déjà. Voilà. Au moins, vous avez écouté un peu à quoi ça ressemble et vous savez de quoi on parle. Voilà. Vous savez de quoi on parle. Voilà. Les acquis du 19 septembre 2002. J'ai dit 19 septembre 2013. Écoutez. Je suis né au Maroc, vivant à Londres. Alors, on s'en fout si tu es né au Maroc. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Enlevez vos publicités là. Voilà. Écoutez-moi très bien. Il faut partager, les amis. Montez, forcez. Parce que là, ils ont laissé un peu. On est monté. Voilà. Donc, forcez. C'est la nation elle-même qui reste l'essentiel. Mm-hmm. Mais on ne peut séparer ou dissocier l'action des hommes qui l'ont forgé puis maintenu. Dans l'histoire de ce pays, la Côte d'Ivoire, un nom reviendra sans cesse. Celui d'un homme qui a su rompre le joug, suscitant ainsi dans l'esprit de ses congénères Écoutez, le goût à la vraie indépendance. De qui on parle? Et de c'est qui on montre? Tous les Ivoiriens. Guillaume Kibafori Soro. Voilà. J'aime si bien le dire. Lorsqu'un peuple est opprimé, la révolte est de droit. Voilà. Les nations les plus puissantes au monde ont connu des révolutions. C'est le cas en France, avec la prise de la Bastille le 14 juillet. C'est Soro Kibafori Guillaume qui donne tout ça, hein. C'est lui qui dit tout ça. La Côte d'Ivoire a connu un soulèvement. Une véritable révolution le 19 septembre 2002. Une date, pour dire vrai, reste pour la plupart des Ivoiriens une nouvelle ère de libération. Un combat noble mené pour dire non à la dictature et à l'oppression. Voilà. Le concept de l'ivoirité et son application politique reste l'une des causes de cette révolution. D'accord. Le 19 septembre 2002 a permis des audiences foraines, délivrant ainsi des millions d'extraits d'actes de naissance et l'établissement de millions de cartes nationales d'identité. Aussi a-t-elle permis aux Ivoiriens de s'exprimer librement dans les urnes, en portant leur choix sur le candidat de leur préférence à l'élection présidentielle de 2010. Une élection libre, transparente et ouverte à tous. Les revendications identitaires du 19 septembre n'ont pas échappé aux législateurs ivoiriens. 11 ans après, les lois sur la nationalité, l'apatridie et le foncier sont adoptées. Des lois qui ont été débattues à la table ronde de l'INA Marcoussi en présence des forces et partis politiques, dont le FPI. Voilà autant d'acquis que le 19 septembre 2002 a favorisé, réglant ainsi une injustice
restée longtemps sans solution par un manque de volonté. 11 ans après, la Côte d'Ivoire continue toujours sa marche. Une marche résolument tournée vers le développement, la justice, la démocratie, la paix et l'égalité entre tous les Ivoiriens. Donc, vous attendez? Ils disent que c'était une marche. C'était une marche. Voilà conclave des RDR, leur conclave à Boaké. Qui était encore devant? Les gens MPCI, pardon. Ce week-end à Boaké, c'était le conclave des forces nouvelles, les forces nouvelles qui ont décidé d'opérer leur mieux face à la nouvelle donne politique. Plusieurs décisions ont été arrêtées, notamment la dissolution de la branche armée des forces nouvelles et de la centrale. Les forces nouvelles ont également annoncé leur intention de se présenter, de présenter des candidats aux législatives. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général, Soro Guillaume. C'est décidé. Les forces nouvelles veulent s'allier au Rassemblement des Fouettistes pour la démocratie et la paix RHDP pour aller aux prochaines législatives. Voilà. C'est l'une des décisions arrêtées lors des 48 heures du conclave tenu à Boaké le week-end dernier autour du thème Côte d'Ivoire, bilan et perspectives des forces nouvelles. À cette décision s'ajoute, entre autres, la dissolution de la centrale autrefois régie financière, ainsi que la branche armée et surtout la restructuration des entités et organes des forces nouvelles. Pour Guillaume Soro, secrétaire général de ce mouvement, l'union des oufouettistes est la condition essentielle pour la consolidation du pouvoir et partant de la stabilité pour le peuple ivoirien. Les forces nouvelles trouvent l'ancrage parfait, synchronisé avec les partis du RHDP, le RDR, le PDCI, le MFA, l'UDPCI et l'UPCI pour aller aux élections. Il est évident que bien des cadres politiques des forces nouvelles ont l'envergure, la carrure, la stature pour devenir député, comme certains sont membres du gouvernement, comme certains sont membres des différentes institutions que vous connaissez. Mais avant la période électorale, voilà. Nous serons comptes rencontrer dans les prochains jours les leaders des partis politiques réunis au sein du RHDP afin d'arrêter les procédures de désignation des candidats. Voilà. Donc, Guillaume Soro, Guillaume Kibafori Soro, était le secrétaire général du MPCI. Il n'a jamais dit que c'est Alassane Draman Ouattara qui était son patron. Alassane Draman Ouattara dit, lui, il est le patron du RDR, parti politique reconnu en Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro, lui, il était le secrétaire général du MPCI, mouvement des rebelles. Vous comprenez? Donc, il ne sait pas, Guillaume Soro, que Alassane Draman Ouattara l'a piégé en dissociant le RDR. Et même si nous tous, nous savions que c'était du même au pareil, mais ils ont fait exprès parce que demain allait rattraper Soro Kibafori Guillaume. Demain allait rattraper Soro Kibafori Guillaume et le MPCI. Donc ils ont fait exprès de dissocier RDR de MPCI. Et ils ont fait de telle sorte que Soro Kibafori Guillaume se sent tout puissant. Il était financé, il était aidé, il avait les médias occidentaux, il avait le soutien de Draman Ouattara, mais en sourdine, pour que lui soit en avant. Pour que demain, quand on va demander des comptes, on ne puisse pas demander ces comptes-là à Alassane Draman Ouattara. Donc, qu'on puisse les demander à Soro Kibafori Guillaume. Nous le savons. Et comme Soro a toujours couvert, caché Alassane Draman Ouattara, nous demandons ici, si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a commis des crimes contre l'humanité, qui a génocidé les Wé, qui a tué les Bété, qui a tué les Sénoufo, les Djoula, tous ceux que vous pouvez comprendre, si ce n'est pas Gbagbo Laurent, c'est qui? Le nom indiqué, ce nom-là s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Et c'est lui qui doit venir répondre. Qui doit venir dire, non, c'est vrai, c'est moi qui étais devant. C'est moi, on voyait. Mais ce n'est pas moi, le vrai instigateur. C'est à lui de venir. C'est pas moi qui ai dit ça à sa place. C'est pas moi qui vais dire ça à la place de Soro Kibafori Guillaume. C'est pas moi qui vais mettre Soro Kibafori Guillaume en confiance, d'après quelqu'un, un gars qui a commenté hier.
qu'on doit mettre Soro en confiance. Ce n'est pas à moi de mettre Soro en confiance. C'est Soro lui-même qui doit venir nous dire qui l'a envoyé, pourquoi on l'a envoyé et qu'est-ce qu'il attendait, quel était le but de son envoi. C'est tout. C'est tout. Tout ce qu'on demande. Et on attend les gens vuvuzeler, bavarder, rencontrer leur vie. Mais nous, on n'est pas dans ça. Vos histoires, vous rencontrez là. Nous, on n'est pas dedans. Voilà. Nous, on n'est pas dedans. Voilà un autre gars qui vient dire encore que ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a créé la rébellion. Et c'était un proche de Soro Kibafori Diom. Mais ils sont toujours en train de dire que non, c'est pas Soro. Et c'est pas Alassane. Eux tous, Soro Kibafori Diom, ils sont toujours en train de dire que c'est pas Soro. Et c'est pas Alassane, pardon, c'est pas Dramane Ouattara. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle tout simplement. Vous comprenez ? La vraie histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire. Alors, quand on introduit en parlant de la vraie histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire, systématiquement, la question qui reviendra sans doute dans l'esprit de nos téléspectateurs, de quelle histoire parlons-nous ? Eh bien, de ce qu'a connu notre grand voisin, la Côte d'Ivoire, entre 1999 et 2002. Et aujourd'hui, sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage, un invité exceptionnel, il a écrit donc un livre sur le sujet. Il s'appelle Sanogo Ousmane Kader. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonjour, monsieur. Alors, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir donc sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Votre document, il est de 70 pages. D'abord, pour commencer l'émission, je voudrais qu'on fasse ce qu'on appelle une mise au point. Vous avez donc combattu du côté donc, des rebelles en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre document, tout ce que vous racontez, ce n'est pas un règlement de compte, c'est la vérité que vous voulez restituer? Oui, merci, monsieur. Je pense que s'il s'agissait d'un règlement de compte, ce n'est pas humain et puis ce n'est pas responsable. Aujourd'hui, il y a un pays qui traverse, qui est sorti d'une crise, c'est ce que vous pensez. Mais moi, je sais que mon pays n'est pas sorti de la crise. Vous savez, on ne sort pas de 10 années de guerre comme ça, comme sorti d'un shawarma où on vient de manger. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas facile. Et je pense que mon pays encore va inexorablement vers une autre crise. Si nous n'en prenons garde, nous nous trouvons aujourd'hui dans la même situation, je pense que où le Burkina était en 83, entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Où l'un devait mourir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve malheureusement dans cette situation où Soro Alassane, elle doit peut-être mourir. Parce que je ne vous dis rien. Voilà. Vous voyez, vous attendez, hein. Les échos. Et chaque jour, les relations, les trucs. Ce monsieur, il dit que nous sommes dans une situation où Soro ou Alassane, un doit forcément. Il n'a pas dit un doit peut-être. Il dit un doit forcément mourir. Il n'a pas dit un doit peut-être mourir. Il dit un doit forcément mourir. Et moi, mon inquiétude qui fait que je sors sur Soro Kibafori Diom, c'est que ça ne soit pas lui qui soit tué. Parce qu'il a beaucoup à nous dire. Il a beaucoup à nous dire. Parce que à la période où je vous disais qu'il aura, comment on appelle, comment j'ai appelé ça, il aura la bataille de Kirina. Beaucoup se sont posé la question pourquoi je parlais des batailles de Kirina. Parce que c'est dans l'empire du Mali qu'on a parlé de bataille de Kirina. Entre Soudiata Keïta et Soumangourou Kanté. Mais moi je ramène cette bataille-là en Côte d'Ivoire entre Alassane Dramane Ouattara et Soro Kibafori Diom. J'ai dit la bataille de Kirina aura bel et bien lieu. Et quand je disais ça, beaucoup nous disaient Soro et Dramane Ouattara sont comme cul et caleçon. Les deux sont inséparables, indéboulonnables. Ils sont rattachés par leur cordon ombilical, le père et le fils, qu'on ne pouvait jamais les séparer. Que j'étais en train de rêver. Ceux qui me suivent, ça fait 10 ans aujourd'hui, ou 8 ans, 9 ans, 7 ans, 6 ans, savent de quoi je suis en train de parler parce que je l'ai dit. J'ai parlé des batailles de Kirina en 2018, avant que Soro ne démissionne en 2019.
il a dit qu'il allait avoir bataille de Kirina, Soro Dramane Ouattara. Et beaucoup de RDR, beaucoup de ceux qui sont devenus Soroïs aujourd'hui, qui étaient encore RDR, m'ont tagué de tous les noms. Ils ont dit, tu rêves, tu es en train de dormir, faut te réveiller. Soro, c'est le fils d'Alassane Dramane Ouattara. Rien ne va se passer entre les deux. Mais c'est arrivé en 2019. La bataille de Kirina a commencé, ce n'est pas encore fini. Parce que l'un des deux est encore vivant. Pourtant, l'un des deux doit mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis même? L'un des deux là doit mourir. Et comme j'ai dit, je ne souhaite pas que ce soit Soro qui bafoure Guillaume, c'est mon souhait. Je ne souhaite pas que ce soit lui. Voilà. Parce que lui, il sait qui l'a envoyé. Il sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens qu'ils ont envoyés pour aller tuer, les gens qu'ils ont liquidés en cachette, des gens qu'ils ont jetés dans des coins, dans des prisons, dans des endroits où on ne les a plus jamais retrouvés. Soro est au courant de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas à lui que je souhaite la mort. Il faut qu'un juge s'asseye devant la barre, devant une barre où il y a un juge, où il y a des procureurs, où il y a des avocats, où il y a les parents des victimes. Et puis, il répond de ce qu'il a fait. Son rôle qu'il a joué dans toute cette guerre depuis 2002 jusqu'à maintenant. Quand je montre les trucs, on dit, oh, mais ça parle de 2002, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. C'est pour vous. Vous pensez que un génocide, ça se proscrit après 10 ans? En justice, là. Ils disent que le génocide, là, après 10 ans, c'est proscrit. On ne peut plus en parler. Le dossier est clos. C'est ce qu'on vous a dit. Non, le dossier des Ouais, le dossier du génocide de Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas encore fermé. Bien au contraire, c'est maintenant même que ça doit s'ouvrir. Donc si vous pensez que ça fait 20 ans et que c'est passé depuis 2002, toi aussi, 2002 c'est passé. Maintenant aujourd'hui, ça fait 21 ans, il faut oublier. On n'oublie pas facilement comme ça. Parce qu'il y a eu des victimes, il y a eu des atrocités en Côte d'Ivoire. Des gens ont été décapités. D'autres ont été éventrés. Il y en a qu'on a enlevé leurs enfants dans leur ventre, des femmes enceintes. Et puis pour leur montrer le sexe de leurs enfants. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, pas ailleurs. Il y a eu des gens qui ont été jetés dans des puits. D'autres brûlés vifs. Des gendarmes égorgés. Ce n'est pas qu'on remit le couteau dans la plaie. Mais quand il y a eu mort d'homme, on doit en parler. On doit juger ça. Il faut que ça soit réglé. Il faut que ça soit réglé. Il faut que la vérité soit dite. Il faut que les victimes soient dédommagées. Il faut qu'ils fassent enfin leur deuil, puisqu'ils auront connu le coupable, le vrai responsable. Dramane Ouattara a dit que c'est Gbagbo Laurent. Ils ont attrapé Gbagbo, ils l'ont amené en prison. Ils ont dit non, si on le garde à Korogo, c'est trop, là-bas là, il n'avoue pas son crime. Donc on va l'amener jusqu'en Europe, on l'amène à la CPI, à la haie. Là-bas, quand Froid va le taper là, il va dire la vérité. Ils ont amené Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo à la haie. Le Froid l'a tapé, parce que ce n'est pas son pays. Il sort de 40 degrés pour venir se retrouver à moins 5, moins 10, moins 20 degrés. Il a dit sa part de vérité. Vous lui avez envoyé des soi-disant témoins pour venir témoigner contre l'homme. Ils sont venus, ils ont témoigné. Leur témoignage n'a rien apporté de nouveau. Leur témoignage n'a pas culpabilisé le président Laurent Gbagbo. Leur témoignage n'a pas pu prouver un plan commun contre les Goulans en Côte d'Ivoire. Leur témoignage a été un passe-temps. Le temps de retenir le président Laurent Gbagbo loin de la Côte d'Ivoire. Voici ce qui a servi leur témoignage. Ce à quoi a servi leur témoignage. Les amis, Alassane Dramane Ouattara s'est bien foutu de la gueule de Soro Kibafori Diom. Les partisans de Soro qui se débattent comme ils peuvent. En m'accusant, en me traitant de tous les noms ou en voulant même justifier l'injustifiable.
En réalité, ils n'ont pas d'argument pour affronter, pour détruire ce que j'apporte ici, moi. Ils n'ont rien. Parce que je suis dans la justesse des mots, je suis dans la vérité. Ce que je dis est tellement prouvable. Ce que je dis est tellement clair que personne ne peut démonter ça parmi eux. Ils font l'effort. Ils luttent pour pouvoir démonter ça, déconstruire, mais ça ne passe pas. Parce que nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous le savons. C'est pour cela que nous réclamons que Solo Kibafori Diom, l'homme à tout faire, qui a dirigé le MPCI, qui se taguait d'être le tout-puissant patron du MPCI, qui répondait aux appels du secrétaire d'État américain, qui était tout le temps en train de se vanter d'être l'homme le mieux écouté en Côte d'Ivoire. Tous les médias lui étaient ouverts. Il était accueilli sur tous les plateaux télé. Solo Kibafori Diom ne peut pas fuir son destin. Il peut fuir son destin un moment, mais il ne peut pas fuir son destin tout le temps. Il peut fuir son destin un moment, mais il ne peut pas fuir son destin tout le temps. Tout ce qui est en train de se passer là. Un jour, il sera sous les verrous. Un jour, il sera devant un juge. Un jour, il va devoir s'expliquer. Et nous disons que ça a trop duré. Nous attendons que ça soit trop plus rapide que ça. Il a trop mis du temps. Il faut qu'il vienne parler maintenant. C'est lui, quand il va parler, ce qu'il va dire là, c'est ça qui va délivrer les Ivoirois et les Ivoiriennes. Ce que Solo Kibafori Diom va dire, c'est ça qui va délivrer les Ivoirois et les Ivoiriennes. C'est ça qui va libérer, enfin, le président Laurent Gbagbo. Parce qu'on a sali ce monsieur et on continue de le traiter, de le malmener en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara s'arroge le droit de l'enlever le nom du président Laurent Gbagbo, de le faire traîner dans la boue, de vouloir l'humilier. Alassane Dramane Ouattara, qui veut humilier le président Laurent Gbagbo, pousse le président Laurent Gbagbo à aller se retrouver en face de ces petits gérants de cabine qu'on a ramassés pour venir remplir des fiches, où il vient faire réclamation. Un chef d'État, un président de la République, celui qui a gagné les élections en 2010, qu'on a arrêté pour amener en prison, on veut l'humilier. Donc on enlève son nom ici, on retire son nom, il fait réclamation, on rejette sa réclamation. On veut humilier le président Laurent Gbagbo, mais le déclic, surtout le déclic d'abord vient de Solo Kibafori Diom, mais le déclin vient aussi de Solo. Le déclin d'Alassane Dramane Ouattara vient aussi de Solo Kibafori Diom. C'est pour cela que nous l'appelons à la barre, Emilienne Bambazao. Nous disons à Solo Kibafori Diom de venir répondre, enfin, qu'il sort de sa cachette. Qu'il sorte de sa cachette et qu'il dévoile aux yeux du monde, façon il était arrogant, façon tout à l'heure je le montrais sur mon téléphone, partout où il se mettait dans les meetings, il était lui, moi j'ai décidé, moi j'ai envoyé telle personne, moi j'ai dit à telle personne. Quand tu prenais ce ton hautain, quand tu prenais cette arrogance, l'orgueil que tu avais pour parler devant des médias, devant des caméras, devant des micros, pour te taguer d'être le patron à tout faire, aujourd'hui, on t'attend, Soro. On t'attend. Viens délivrer le peuple de Côte d'Ivoire. Viens délivrer la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Car c'est toi qui as fait l'ouverture. C'est toi qui as accueilli Alassane Dramane Ouattara. C'est toi qui as mis ta poitrine devant et qui l'a caché derrière. C'est toi qui a montré que tu étais là. Viens délivrer la Côte d'Ivoire. C'est ce message-là que je voulais envoyer. Tu es allé faire en sorte que on puisse me mettre au restreint. Tu es allé porter ta plainte. Aimé, Saint, toi, qu'est-ce qui te fait rire même? Je ne sais pas, mais il y a des gens, je ne sais pas.
Ou bien tu n'arrives pas à appuyer sur le truc là. Parce que tes émoticônes de rire là, ça commence à me fatiguer là. Il y a quoi qui fait rire ici? Tu t'appelles Saint. Saint-Ouen, ça veut dire tu es guéri ou tu es wobé. Tes parents ont été génocidés et toi tu mets des émoticônes de rire, je ne comprends pas ton histoire. Ou bien tu ne connais pas, parce que ça, je sais aussi qu'il y en a qui ne savent pas trop, peut-être dans la précipitation, ils appuient sur les émoticônes sans savoir sur quoi ils appuient réellement et puis ils font des erreurs pour appuyer sur les émoticônes de rire, même quand des choses, le sujet ne fait pas rire. Donc, je te concède ça, mais écris un commentaire pour dire que tu te trompes. Parce que si c'est ce que je suis en train de dire là qui te fait rire, je pense que tu n'es pas un ouais. Tu es bien au contraire. Voilà. Tu es content de quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Tu dis, il dit non, je suis content. Mais tu es content de quoi? Il y a quoi qui fait rire ici? Même si tu es content, faut pas mettre les dents ici. Tes émoticônes de rire là, faut pas mettre ça. Faut supprimer. Sinon, je vais être, moi-même, je vais supprimer ça. Ça, hein? Faut supprimer. Il n'y a rien qui fait rire ici. Tu es content. Mais le truc de rire que tu mets là, ça ne prouve pas que tu es content. Tu vois? Faut mettre autre chose. Je te comprends, hein? Je sais que peut-être tu n'as pas autre chose, machin, mais vaut mieux trouver un autre truc, quoi. Ou bien mets les cœurs. Mets les cœurs. Voilà. Mais il ne faut pas mettre tête de rire. Ça ne ressemble pas à quelque chose qui fait rire. Pour revenir à Soro Kibafori, Guillaume, cher ami. Attends, je suis à combien de minutes? J'avais dit qu'il allait faire 1h30 pour pouvoir décortiquer ce monsieur. Mais il est 52 minutes. Et comme ils ont réussi à me freiner un peu, parce que oui, je vais revoir. Je vais revoir mon mot de passe. Je vais changer de mot de passe. Et puis voir si je peux les dribbler pour qu'ils me laissent encore, hein, tous mes abonnés, tous ceux qui me suivaient dans ces jours-là. J'atteignais les 1500 vues parce que les gens, on m'avait laissé un peu. Donc là, je pense que Soro a signalé. Il signale parce qu'il voit que je suis le seul, l'un des rares cyberactivistes à sortir, à le faire sortir de là où il allait se cacher. Donc, il peut porter plainte, comme on appelle chez Facebook, pour qu'on me bloque. C'est ça qu'on appelle signaler. Voilà, il allait porter plainte à Facebook pour qu'on bloque mon audience. Parce que quand je parle, je parle, je dis son nom. Donc, du coup, il a le droit d'aller dire que ce monsieur, il s'acharne sur moi. Donc, ça, voilà. Donc, si c'est lui qui fait que ils ont bloqué, je n'arrive même pas à 100 personnes. Pourtant, ça fait même pas 2 jours. Ma dernière vidéo, j'étais à 800 personnes en direct. C'est bizarre. Mais je vais pas lâcher là, je vais pas lâcher prise. Si c'est à cause de ça, je vous rassure, chers amis. Soyez rassurés. Je suis Hervé Didier. Ça fait 10 ans que je fais les vidéos. Depuis 2013, on est en 2023. Ça fait 10 ans que je fais les vidéos. Donc, il n'y a rien qui va m'ébranler. Je vais trouver le moyen de contourner leurs restrictions. Je vais trouver le moyen de dribbler ça. Voilà. Donc, on arrive. Je vais revenir tranquillement. Mais l'acte 4, ce pays, si ce n'est pas Gbagbo, c'est qui? Acte 4. On va faire ça prochainement. Mais je vais revenir dessus. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit. Oui, je ne vais pas le lâcher. Anaké, je ne vais pas le lâcher. Voilà pourquoi j'ai dit que, cher ami, si Soro Kibafori Guillaume, l'homme a tout fait d'Alassane Dramane Ouattara, qui s'est mis en avant, qui a brandi sa poitrine, qui a donné, c'est pour cela qu'il a mal. C'est pour cela qu'à un moment, il voulait même utiliser les armes pour enlever Alassane Dramane Ouattara parce que il a eu mal. À un moment, il faisait ses conférences et puis il dit, oui, c'est pas l'homme que j'ai connu. Tu l'as connu où? Lui, il dit, il ne te connaissait pas. Il dit qu'il ne connaissait pas ta rébellion. À l'époque, là, fallait dire son nom. Mais il n'y a aucune vidéo à l'époque où tu disais le nom d'Alassane Dramane Ouattara. Aucune. Il n'y a aucune vidéo parce que ils t'ont dit de te dissocier de lui. Donc tu parlais en ton nom. Tu disais toi, moi. Tu disais moi. Donc c'est toi qu'on connaît. Quand ils ont amnistié, quand le président Laurent Gbagbo a pris un décret pour amnistier la rébellion là, il n'a pas mis le nom d'Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que dans l'amnistie, vous qui êtes ici là, vous qui me suivez il y a longtemps là,
vous qui suivez aussi l'actualité de Côte d'Ivoire, est-ce que l'amnistie que le président Laurent Gbagbo a prise pour les rebelles en 2007, ça a été prorogé promulgué en 2007. Cette loi d'amnistie-là, est-ce qu'il y avait un nom d'Alassane Draman Ouattara dedans? Répondez ici, oui ou bien non, écrivez. Est-ce qu'il y avait le nom d'Alassane Draman Ouattara parmi ceux qu'on a amnistiés? C'est quand je parle de Soro, on me dit non, c'est Alassane Draman Ouattara. Est-ce que la loi d'amnistie prise, le décret d'amnistie prise par le président Laurent Gbagbo, pris par le président Laurent Gbagbo, le décret d'amnistie pris par le président Laurent Gbagbo, est-ce que dedans là, il y a nom d'Alassane Draman Ouattara qui a été amnistié aussi? Pourtant, il y a nom de Soro dedans. Pourtant, il y a nom de Soro dedans. Je me souviens quand on parle, lui-même, son groupe dit, c'est cyberactiviste a dit, non, mais Gbagbo Laurent a déjà amnistié Soro, il a amnistié tous les rebelles. Ah, donc ils savent que Soro était dedans, mais pourquoi ils ne disent pas qu'il a amnistié Alassane Draman Ouattara aussi? Pourquoi ils ne disent pas ça? Parce qu'Alassane Draman Ouattara n'avait pas son nom dedans. Parce qu'Alassane Draman Ouattara s'est toujours mis à l'écart de Soro. Même quand ils sont partis à l'INAS Marcoussis, quand ils sont venus ici, en France ici, à l'INAS Marcoussis, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? À l'INAS Marcoussis, le MPCI avait son groupe, le RDR avait son groupe. Le représentant du MPCI était Soro Kibafori Guillaume. Le représentant du RDR était Alassane Draman Ouattara. Ils se sont toujours détachés. Ils ont toujours dit qu'ils n'étaient pas même chose. Maintenant, nous, on sait qu'ils sont même chose. Mais devant la loi, c'est pas je sais, j'ai pensé, j'ai su que hein, dans ma tête, c'est forcément Alassane qui finançait Soro. Devant la justice, c'est pas ça. Ce sont les faits. Devant la justice, c'est pas... Oui, nous tous en Côte d'Ivoire, tu peux demander à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Tout le monde sait que c'est Alassane qui était derrière la rébellion. C'est lui qui était le vrai patron de la rébellion. Ça là, tu dis ça à la justice, ils vont te chasser. Parce que ça ne tient pas à la justice. Ce n'est pas une preuve matérielle. Ce n'est pas une preuve matérielle. Ça ne tient pas devant un juge. Ce qui peut tenir à la justice, en fait qu'on appelle Alassane Draman Ouattara là-bas, c'est que Soro Kibafori Guillaume dise, voici une preuve matériel que Alassane était le père de la rébellion. Voici une preuve matérielle que c'est lui qui me donnait les ordres en sourdine. Voici une preuve matérielle que Alassane Draman Ouattara était le financier tout azimut de la rébellion. Voici une preuve matérielle que Alassane Draman Ouattara, c'est par décret ou par message ou par courrier qui m'a nommé tel pour faire telle chose. C'est ça là que les juges regardent et puis disent, Alassane Draman Ouattara, viens là-bas parce qu'on a des preuves contre toi. Viens te défendre. Mais tant qu'il n'y a pas ça là, moi, Hervé Djidji, je ne sais rien de Alassane Draman Ouattara. Je n'ai aucune preuve en fait. Je sais comme ça parce qu'on sait que c'est lui qui a toujours dit qu'il va frapper le pouvoir, il va faire ceci ou cela dans les déclarations. Mais est-ce que dans la réalité, dans les preuves, j'ai des preuves? Non. Je n'ai pas de preuves. La seule personne sur qui je compte pour prouver que Alassane Draman Ouattara est impliqué jusqu'au cou, c'est Soro Kibafori Guillaume. Donc, laissez-moi appeler Soro Kibafori Guillaume à la barre. Laissez-moi l'appeler à la barre. C'est lui seul qui peut délivrer la Côte d'Ivoire quand il va venir dire la vérité. C'est en cela qu'il parle de délivrer la Côte d'Ivoire. Parce que la vérité délivre toujours. La vérité affranchit toujours. La vérité, elle délivre et elle affranchit. Donc on attend rien que la vérité. C'est pour cela que quand il va devant le juge, il te dit, levez la main droite, dites la vérité, rien que la vérité, et jurez de dire la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Et tu lèves ta main droite et puis tu dis je le jure. Mais on parle de la vérité, rien que la vérité. Avant de te juger. On te demande même de jurer que tu vas dire la vérité. Donc la vérité, elle libère, elle affranchit.
Cette vérité-là, c'est ça que nous attendons tous de Soro Kibafurigyo. Est-ce que le son est bon? Donc l'acte 3 de ce pays, si ce n'est pas Gbagbo, c'est qui? Je pense que j'ai été en long et à large dans ce discours. Je vais vous épargner les 30 minutes qui restent, parce que j'ai dit j'allais faire 1h30, là j'ai fait 1h, il est 1h43. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Non, il n'est pas 1h43, il est 1h43 secondes, 52 secondes maintenant. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Voilà, si le son est bon, mettez-moi des cœurs. Et puis, je vais essayer de régler mon... Je ne sais pas si ça, cette restriction va durer. Voilà, je vais essayer de voir comment faire pour pouvoir contourner leurs restrictions afin que tout ce beau monde qui venait suivre mes directs soit la notification. Parce que l'histoire de Soro Kibafurigyo, l'histoire de ce pays, si ce n'est pas Gbagbo, c'est qui là? Cette histoire est très importante et je ne veux pas que ça reste entre ces 4 personnes, 60 personnes, 70 personnes. Parce que là, on est resté, le trop qu'on a atteint, c'est 93 personnes dans ce direct. Et ce n'est pas normal. On n'a même pas atteint 100 personnes. Voilà. Donc, ils ont décidé de me boycotter encore une fois. Ils sont revenus à la charge. Parce qu'ils ont vu que dans ces jours-là, mes vidéos montaient comme ça. Donc, ils sont revenus à la charge. Je vous remercie d'être resté tout ce temps. Merci à vous. Sachez que, même si vous êtes deux, je vais venir vous dire ce qu'il y a pour que ce régime-là soit non seulement fragilisé à travers Soro Kibafurigyo, les déclarations de Soro que nous attendons, les vérités de Soro que nous attendons. Voilà. Merci et partagez. Partagez. Voilà. Boriva Bana. Ouais, c'est pas trop. Ko Boriva Bana. Alors, merci. Au revoir. Ciao. Ciao. Peut-être cette nuit, je vais faire une autre vidéo.